a le point en général. Ah, comme projection. La croix qui récupère maintenant. Saïda Atmani devrait vraiment emprunter cette situation. Elle devrait vraiment attaquer un peu plus parce que la croix semble un peu émoussée. Il faut vraiment que Saïda essaye d'appliquer vraiment sa boxe en fait. Parce que là, elle subit la boxe de l'autre en face. Et il faut qu'elle marque ses points. Il faut qu'elle aille en fait. Il faut qu'elle rentre dedans, dedans. Ouais, elle a un temps de retard pour le moment. Saïda Atmani. Et en même temps, c'est une tornade qu'elle a en face. Maria Malenica, elle ne laisse aucun répit à son adversaire. Très fougueuse, très teigneuse. Et une superbe combinaison avec un high kick tout de suite enchaîné avec de l'anglaise. C'est très beau ce qu'elle fait. C'est très beau, c'est très efficace. Après avoir perturbé son adversaire avec un high kick, tout de suite, elle enchaîne avec de l'anglaise. Le bras qui correspond à la même jambe. Autrement dit, c'est difficile à anticiper. Voilà, c'est la fin de la deuxième reprise. On peut dire d'ores et déjà que Maria Malenica mène ce combat. On va écouter les conseils des coachs. Voilà, son coach qui lui dit que tout est parfait. Ouais, il lui dit de faire la même chose. Du côté de l'Algérienne, on lui conseille de sortir davantage ses jambes. C'est parti pour la troisième reprise. C'est le moment ou jamais pour Saïda Atmani d'inverser la tendance. Ouais, c'est ça, il faut vraiment que Saïda rattrape les points qu'elle a perdus parce que la croix elle est vraiment en train de s'installer. C'était pas mal ce middle de Saïda. Elle applique à la lettre les conseils de son coach. Et attention à ne pas se jeter quand même. Et Saïda Atmani qui a du mal à gérer la fougue de son adversaire. Il faut sortir du coin maintenant. Et la croix qui use de son vice, qui n'hésite pas à mettre son bras avant sur le visage de Saïda Atmani dans les corps à corps. Ouais, ça c'est vraiment une technique pour gêner l'adversaire, pour vraiment pas qu'il travaille. Ouais, pour l'aveugler, et c'est plutôt bien réussi. On sent vraiment l'expérience là, du côté de Maria Malenica. Train, là, du côté de Saïda Atmani. Il faut que Saïda bloque parce que la jambe commence à changer de couleur. Donc faut bloquer et essayer de remiser derrière. Ouais, mais ça manque aussi peut-être d'entreprise là, du côté de Saïda Atmani. Elle subit vraiment les attaques de Maria Malenica qui donne le rythme depuis le
combat. Maria Malinka qui se permet même de prendre quelques pauses pour récupérer et de revenir ensuite, toujours à ce rythme effréné. Elle est vraiment à l'aise. Et attention à ne pas faire une prise de judo quand même. Le premier avertissement de l'arbitre. Et voilà, et le coach de Maria Malinka qui lui a dit de sévir avec ses low kicks. Elle a peut-être vraiment à la lettre ce que son coach lui a conseillé de faire. Et on peut dire que ça marche. Oh là là, c'était un superbe middle là de Saïda Mani, mais tout de suite Maria Malinka a répondu avec une combinaison. Attention, il ne faut pas tourner le dos. Tia, vous l'avez boxé plusieurs fois, me semble-t-il, Saïda Atmani. Oui, je l'ai boxé dans la catégorie auquel avant laquelle, voilà, 70 kilos. Il y a quelques années maintenant, et voilà, c'est Saïda, ne lâche rien, rien du tout. C'était très engagé. Très engagé. Ouais, très engagé les trois combats et bon. Et oui, voilà, ça ne lui a pas échappé au coach de Maria Malenica. Il a bien vu cette jambe très rouge de Saïda Atmani et il lui conseille de tripler la mise maintenant et de durcir le ton pour asseoir définitivement son autorité sur l'Algérienne. Elle a un beau bleu, un bel hématome, Saïda Atmani, sur la cuisse. Une ischio. Ah ouais, il faut vraiment qu'elle bloque parce que là, ouais, Là, c'est la stratégie qu'elle va employer pour ce prochain round. Elle semble vouloir sortir son anglaise aussi, Saïda Atmani. Elle a mal à la jambe, on le sent. Elle travaille beaucoup plus anglaise, Saïda Atmani, sur ce round. Malheureusement, il va falloir plus que ça pour s'imposer dans ce combat. Et la Croate qui durcit le ton, qui sort tous ses low kicks sur la cuisse, sur la jambe avant de Maria Malinka. Belle tentative pour faire tomber l'adversaire. En tout cas, elle a des looks très explosifs, très secs. Maria Malinka. Et elle se permet même de récupérer. Elle aère son jeu. Elle qui joue l'asphyxie depuis le début. Une stratégie qui marche depuis le début de la première reprise. Elle est plutôt à l'aise, plutôt détendue. À aucun moment elle ne s'est sentie inquiétée, Maria Malinka. Et quel rythme, quelle intensité. Et un cinquième low kick. C'est incroyable. Quelle pugnacité en tout cas de la part de la Croate. Qui a vraiment percuté. Et elle n'en peut plus, Saïda Atmani. Elle veut prendre la fuite. Oh, et superbe tentative de coup de contre-tourné. On se plaignait du manque de fantaisie des adversaires du premier combat. Et là, c'est une fille qui nous l'a servi. Un coup de coude qui est bien passé. Voilà, il faut y aller, il faut combattre.
cas, c'est une belle démonstration de ses talents. Ouais. Ah, c'est la fin du round. Et voilà, le coach de Marija Malinica qui lui dit de ne pas aller à la guerre. Ça ne sert à rien d'être agressive et en colère puisqu'elle mène le combat de bout en bout. Elle peut aérer son combat, se faire plaisir. Une belle preuve de fair play à l'entame de cette cinquième et dernière reprise. Et toujours cette frappe au niveau de l'hématome, ça doit faire très très mal. La Croate qui veut vraiment détruire les jambes de Saïda Atmani jusqu'au bout. Ah oui, là c'est qu'elle est en position de force, donc elle utilise les attaques qui marchent le mieux et qui partent le mieux. En tout cas, elle boxe bien en ligne, Malinica. Elle boxe en ligne et ensuite elle part sur les côtés. C'est vraiment intéressant ce qu'elle nous propose ce soir. Elle a toujours un temps d'avancer à chaque fois, elle est mobile derrière ses attaques. Ça lui permet vraiment de ne pas pouvoir être ciblé par Saïda Atmani. Elle essaie de passer des coups dans ce corps à corps. Décidément, c'est vraiment une boxe très complète. Marija Malinica. On pourra dire qu'elle nous a séduit ce soir par sa superbe boxe. Bien sûr, belle boxe tout en plus que c'est une féminine, donc ça fait ça nous fait très plaisir, nous ici. Bien sûr. C'est vraiment le genre de boxe qui fait du bien à la discipline. Ouais, regardez, superbe combinaison. Elle est très aérienne. Elle distribue ses jambes avec une facilité déconcertante. Ouais, superbe front kick en plein visage. Bon front kick, quoi. Et le front kick a bien surpris Saïda. Ouais, et le front kick en plein visage, on le sait, ça fait mal à l'ego. C'est ça. On déteste ça. Oui, dès qu'on reçoit un front kick ou une droite au visage. Ouais, et le front kick, vraiment, c'est quelque chose d'humiliant. Ouais. Le pied sur la figure, c'est vraiment très très dur à vivre. Ouais. En tout cas, elle a une endurance incroyable, la Croate, Marija Malinica. Et c'est fini pour ce cinquième round, c'est fini pour ce combat. Très belle leçon de boxe de la Croate, qui devrait s'imposer logiquement, à moins d'un miracle, pour Saïda Atmani. On revoit quelques-unes des merveilleuses actions que la Croate nous a proposées ce soir. Et ce superbe front kick. Et c'est mérité cette victoire pour Marija Malinica. Il s'agit donc de sa 36e victoire en carrière.
Nous passons maintenant au combat France-Thaïlande qui oppose...